Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un fondant au chocolat. Alors avant de commencer, je vous conseille d'allumer votre four quelques minutes afin qu'il soit bien chaud. Ensuite, vous aurez besoin de 125 g de beurre ainsi que de 4 œufs, peu importe la marque ou quoi que ce soit, tant qu'il y en a 4, mais également d'un moule, donc rond, carré, peu importe, mais aussi d'un fouet. Donc qu'il soit manuel, électrique, peu importe ce que vous avez. Et enfin, d'un peu de fondant en poudre que vous trouvez dans tous les magasins. Ensuite, vous allez prendre les 125 g de beurre et les faire fondre dans une poêle. Pour ensuite arriver à ce résultat. Donc un bon liquide jaune. Ensuite, vous allez prendre un peu de beurre pour beurrer le moule. Donc personnellement, je vous conseille de prendre le beurre à la main, car certains sont un peu douillés, le prennent avec des spatules, mais c'est impossible à faire. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de mal, donc je suis carrément allé à la main. Vous prenez une bonne poignée et vous verrez, ça sera plus facile. Ensuite, vous cassez les 4 œufs et les mettez dans un bol pour ensuite mélanger la poudre et le beurre que vous avez fait fondre. Donc vous mettez tout ça dans un bol pour ensuite le mélanger grâce au fouet que vous avez. Donc voilà, vous mettez le fouet, vous le mettez en marche et vous mélangez le tout pendant quelques minutes, pas beaucoup mais juste une ou deux minutes jusqu'à arriver à ce résultat. Une bonne crème épaisse et homogène. Donc ensuite, avec cette crème, vous allez la mettre dans le moule et la répartir dans toute la surface du moule. Donc si possible, de parts égales. Jusqu'à arriver à ce résultat. Donc vous voyez que j'ai essayé de le répartir au mieux. Et ensuite, vous allez, grâce à la spatule, écraser toute la pâte. Et ensuite, vous pourrez le mettre au four. Donc, le gâteau, mettez-le 15 à 20 minutes au four. Et ensuite, vous verrez, normalement, ce sera bon. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. En vous souhaitant bon appétit et abonnez-vous à ma chaîne.